Zani. Malos ma queue. L'église est dans la joie, dans une joie immense. Si vite, c'est sans jour, Zani. Voilà. Zani. Malos ma queue. C'est un encas. Vous savez, mes décommis, mes fidèles, mes membres, mes décateurs les plus assidus, mes décateurs qui veulent ma descente. Voilà, pleurer de gauche à droite. Mais ce qui est si mon enceinte traverse une voie immense. Vous savez que bien la magre des magres si vite ternière et c'est son jour aujourd'hui. Ok? Et ça tombe bien. Hein? Le jour de la magre des magres si vite ternière, les pleurs sont partout. Et... bon dimanche, mes décommis, mes fidèles, mes décateurs les plus assidus, mes décateurs qui m'aiment ma descente. Et bon dimanche à toute la terre camerounaise. Voilà, ça veut dire, dans le direct de monsieur Messarrière, tous mes remembers ont été dit. Ouais. Moi je dis toujours, je parle toujours, quand vous voyez de comment vous combattre, hein, mon action, ne venez pas insulter les dames de comment vous posez-vous des questions. Voilà. Et je vous dis toujours, n'ayez pas peur de vos ennemis. Allez vers, soyez prêts, contrôlez leurs mouvements, contrôlez leurs plans, essayez un peu de neutraliser leur stratégie, leur philosophie. Ok? Tant mieux s'ils sont au courant que vous êtes à côté. Tant mieux s'ils ne sont pas au courant. Allez, ok? Ne regardez jamais le bout de vos chaussures quand vous êtes face à vos ennemis. Regardez le bout de vos nez, ok? Fa-fa, ok? L'église est en la joie, on s'en fie des pleurs, oh, de cet ancien. La magre, si vitainière, elle est aussi victime, il ne vous manque pas où. Ouais. Je sais, nous sommes bloqués. Ce n'est pas seulement la milliardaire, si vitainière a aussi été une victime de Mandiata. Ok? C'est pas seulement la milliardaire, hein, les milliardaires de Facebook. Voilà. Vous comprenez pourquoi il y en a qui se tapent pour qu'un milliardaire de Facebook pour mentir, hein? Ou alors pour envelopper des personnes faibles, des personnes qui ont faim, pour profiter, hein, d'elles. Et le sang caleçon de l'handicapé. J'avais tout dit. J'ai combattu cet handicapé-là. Je vous ai dit, il est mauvais. Je vous avais dit, les gens. J'avais combattu l'handicapé et perpétu Maléba. J'avais dit que les deux là sont complices. Oh, tout n'est pas encore sorti. Venez tout nous dire. Venez, quels sont ces milliardaires là? Avec toute la salissure là, tu viens quand même témoigner. Eh, alors ma avocate. Hein, avocate. Ouais. S'il te plaît, madame l'avocate. Hein, sors un peu à visage découvert. On va voir. Ah, à quoi tu restes? La plupart de vous qui faites ça, vous qui venez dire que oui, vous êtes des milliardaires, vous venez pour aider. Nous, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, à Nabela, envoie l'argent à Siné Kamba. Voilà, pour qui je commande son petit banque ici. Mes gens, voilà donc là les milliardaires de Facebook. Clone. Je comprends pourquoi
Parce que tu voulais tellement qu'on soit en e-box. En e-box. Jusqu'au jour où tu allais m'envelopper. Ouais, je vous comprends maintenant, les milliardaires de Facebook. Ouais, ouais, ouais. Madame la milliardaire. Faut laisser, faut laisser. Faut laisser. Faut laisser. Faut laisser. Apparemment, ça avait commencé que maman, maman, maman. J'ai frappé l'handicapé là ici. Mais Jean, je vous avais dit que l'handicapé là était devenu chroniqueur. Maman bébé, ne te fais pas de bile. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur terre pour rien. Grâce à toi, à nous, maman. Ouais. La nature, le temps fait ressortir les remèmes du pasteur supérieur. Ouais. Et j'espère que mes jarrets de porc, j'en ai tout, j'en ai, j'ai même le bar, tout. Partagez mes gens. Laurel Faux, big up, bon dimanche. Laurel Faux, les milliardaires qui viennent dans des teams. Soit disant que les cœurs ouverts. Non. C'est pour qu'on les douloigne. Et ça tient toujours les mougous des personnes vulnérables. Ouais, que. Non, je suis sur l'autoroute. C'est la connexion, on ne me signale pas. Bon, le direct est bloqué. Voilà. Je ferai le direct tout à l'heure, bien que j'arrive. Là, c'est... bloquer le direct. La connexion, c'est le jour de la magre des magres. Voilà le jour de la magre des magres. Si vite teniere maman aposta les postes là-bas, la lecture de ça, ouais, les livres de ça, ouais, elle aussi. Elle était considérée aussi comme une milliardaire. Est-ce qu'on respecte même les bienfaiteurs là-bas là? Dès que j'arrive, je nous fais un direct. La magre, si vite, n'y a abomolo, 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 abomolo. La magre, si vite, n'y a rien. Bon, pour ce boba, abomolo. Mais qui tu boba, abomolo. Il faut avoir quelques cerveaux pour comprendre l'évangile. De la magre, des magres. C'est son jour aujourd'hui.
Il a été maman adoratrice, elle avait été mordue. Aujourd'hui, elle fait ses poses, ça choque les gens. Il faut voir la balle à la team des Isa. Il va falloir qu'on les amène là où il y a les mouchetés. Pour qu'elles puissent, pour que les mouchetés les piquent. Pour retrouver le sommeil. Mais Jean, maman Aposta, quand elle écrit, même la Bible, on appelle ça Bible. Faut avoir quatre cerveaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre là où il a toujours envie d'en venir. Et quand elle fait ses postes, en nous avant bruit, il lit à la vécrette. Les concernés lisent à la vécrette. C'est son jour aujourd'hui. Hier encore, comme vous voyez la milliardaire là, hein, en nous avant, toute la puissance de l'handicapé a été quittée au pied. C'était parti sur le Manzizi, mes gens. Mes gens, on a profité de ça. Ouah! 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 Et en que temps, Mandata nous fait comprendre que oui, madame la milliardaire est encore là. Mais elle raque les murs avec PayPal. Ouais! Madame la milliardaire envoie seulement million by million. Million by million. Dès que papa l'handicapé venait seulement dire que je me suis marié hier, hein, et la fille aujourd'hui, voilà, avec mes économies, hein, allez, maman a milliardaire. Ouais. Ouais. Facebook. Je vous avais dit, toi l'handicapé là, Ndole Moulema, ok, et milliardaire. Et Mandiata, vous n'avez pas encore tout dit. Mais puis, il y a encore une. Venez nous dire. Parce que moi, j'avais conclu mon évangile. Que tout ça là, c'est en complicité avec Mandiata. Regardez très bien même la girouette qui est au Maroc. Qui dit qu'il ne mange jamais. Ah, bah là. Ah, bah là. Les gens, nous sommes bloqués. Bon, je vais économiser. Réagissez, réagissez. Je sais que nous sommes à 26, mais je vois quand même 19 là-bas, là. Mais Jean, on peut faire ça. La milliardaire, on dit qu'elle est avocate. Ah bon, les avocates ne partent pas en prison. On ne porte pas les plaintes aux avocates. Et l'handicapé, là, malgré que tu n'es pas quitté là-bas, là, Ndjokwa, comme Mandiata. Donne-moi ça à la maison. Ok? On a profité de ton handicap parce qu'on s'était dit que oui. Parce que toi aussi, tu avais beaucoup menti. Que tu souffres. Si tu avais aussi menti comme la Bézamé, Nimini Befara. Voilà. Et comme Mandiata, hein, apparemment, elle est vide. Elle croit aussi peut-être que oui, tu pouvais la, tu allais la délivrer. Et il fallait qu'elle protège un prêtre. Ah, ben là. Facebook, si. Ouais. Une milliardaire. Ça ne cherche pas les donman comme les noix. Faut toujours aller là où quelqu'un dit que ça racle les murs. Encore un handicapé. Et comme ces gens qui ont fait des études à la maison, ils savent très bien. Regardez souvent les handicapés. Hein. Voilà. Parfois. La partie supérieure, c'est comme ça là, comme Goliath. Ok? Voilà. Mais, vous allez voir, il y en a là. C'est là que qui a tout récupéré, toute la puissance là. Donc ça veut dire, madame la milliardaire avait senti que l'handicapé, non seulement, il a un visage avec les mandibules. Et en même temps, en un an, et c'est sûr que là-bas là, il y avait le goudin. Ah ben là. Eh, Seigneur! Ouais, mais tu as quand même la maison. Et merci beaucoup. Parce que je mène. Je vous avais framponné. Mais remember son là. Je t'avais insulté, hein, toi là. J'avais dit que tu es volé. Volé. Et j'avais dit, si maman bébé perçoit 5 000. Elle va manger 4 500. Mais Jean, je ne manque pas.
elle va aller donner deux grains de maïs. Oui. Je vous avais parlé l'histoire de la perfusion. Je vous avais parlé du planning. Oui, Abba Bout, Abba Mfou, Abba Labassessi. Après, elle venait souvent se coucher au canapé là et perfusion. Sans eau, sans liquide. On n'avait jamais vu hein, les gouttes. Tac, tac, tac. Je m'étais posé la question comme, mais pourquoi elle n'avait pas nous fait le direct quand il y avait le liquide? Mais Jean, voilà ça. Ne dis pas que je suis sorcier. Je vois de loin, en caïman. Et comment, Mougou? Hein, je vous dis toujours, c'est pas vous qui dites. Moi-même, j'ai dit que je suis puissant. Je vois de loin. Mais comment, mon père, ta route? Aïe, 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 aïe. Caressez vos jolis doigts, non? Benjina, je vais prêcher, hein, Mikalga. Si je vous vois réagir, je vais vous dire. J'avais insulté l'handicapé là et Mandiata, mais j'avais dit c'est des complices. Je les mélangeais tous et avec la girouette qui est au Maroc, la maison. Mais, au revoir. Hein? Je vous avais prévenu. Hein? Ou alors, je vous avais prévenu. Hein? Que Mikalga. Nous avons passé tout le temps à dire à Mandiata ici, pour être crédible, hein, avec tes gros discours là. Cherche d'abord toi-même à faire quelque chose. Ok? Les gens ne viendront pas trop que dire que oui, c'est dans ça que tu manges. Mais quand tu ne fais rien, hein? Non seulement on voit ton état d'esprit sur la toile, hein? Ou non. Chaque temps, et toi-même tu le dis, on te repasse. Au lieu de venir nous donner ça, nous manquer les cicatrices, comment tu coules de partout pour que nous puissions sensibiliser les hommes qui tapent, qui font crever les femmes. Tu dis que non, tu adores ça. Tu aimes tout ce qui est négatif. Voilà ça. La mendiante, et toi la milliardaire là, je dis toujours aux gens, avoir tout un tas de papiers là n'est pas synonyme d'intellectuel. Ou alors, ok, c'est que tu es venu faire ton témoignage là, tu comprends? Tu as profité, ok? Les donne-moi, nous sommes là sur la toile, ok? Bien, voilà, vous ne nous calculez pas parce que vous savez très bien que si vous venez nous demander, parce que quelqu'un comme de Komamougou, voici les jarrets de porc, voici de poissons, il va vous manquer, ok? Vous ne pouvez pas venir là pour dire que oui. Hein? De comment Mouga fin? Vous dites à de comment Mouga, déshabille-toi, je vais voir ton banc ici. J'ai dit, toi la milliardaire, manque-toi. Si tu es moche, hein, comme la vie de dessin, on va te comprendre. Nous allons te comprendre. Que oui, tu profites. Oui, tu profites comme ça parce que tu as honte de toi-même. Moi, viens nous te manquer. C'est pas possible. Compresseur, ne viens pas dire que. Co. La mendiante sait très bien. Et toi-même, tu avais dit à l'handicapé là que on va faire comment? Tu as fait non? Accepter seulement les conditions. Ah oui! C'est pour ça que je vous dis tu, l'école est bien. Quand vous venez là, yougou, n'oubliez pas souvent ce qui sort souvent de vos baves. Ok? Donc, mendiante, je vous avais framponné un mois. L'handicapé et toi. Propre. Avec tes discours. Ok? T'es donc au pays. J'avais tout dit. Ok? J'avais traité ses mandibules. J'avais tout dit. Que c'est un voleur. C'est un bandit. Parce que vous étiez comme ça. Surtout quand il avait commencé, quand on te reprochait comme Mandiata, même les Lisette Akoudou, même toutes ces vieilles bols là. Les Nancy te disaient que, ouais, qu'on en a marre quand on te frappe. Va essayer de faire quelque chose qui pourra au moins te blanchir. Jusqu'aujourd'hui. Et vous venez nous faire ça. Non. Vous avez profité du petit. Mais Jean, je ne vous manque pas. Les handicapés. Hein? S'ils n'ont pas la partie ici comme ça là. Comme les Kunda Kité. C'est la queue. Les gens. Toute la puissance, c'est la queue. Ou alors la partie supérieure. Madame la milliardaire, allô, ma. N'est-ce pas nous voir, même ici, là? Hein?
Il y a des femmes qui adoptent les enfants, là, garçons, là. Nous voyons, ça quitte souvent que oui, maman. Hein, madame la milanaire, tu viens te justifier pourquoi? Hein, c'est ça, c'est. Nous sommes comme ça. Chacun ses fantasmes. Hein, là où tu es là, je suis persuadé que madame, hein, avocat, dans ton bureau, tu reçois, hein, les jeunes hommes et tout. Hein? Ou alors tu es moche. Faut me dire. Faut me dire. Le petit Atika, hein, c'est quand tu as commencé à profiter de lui que, oui, et que Mangiata lui avait dit que non, il doit accepter les conditions. Babala, moi-même, c'est en ce moment-là que j'allais même te faire le chantage. Vous avez vu Siné Kamba, avant Nabila, non? Le chantage de ça. Maître, je comprends pourquoi les bachos, hein, les bachos, ils aiment les femmes à distance. Eh, Wazap, si, ouais, Wazap, qui es-tu? Ce n'est même pas seulement Wazap, Ebe Wazap, Ebe Messenger, Ebe Humo, Ebe ceci. Là où on peut s'appeler en vidéo, là. Hein? Vous êtes qui? Hein? Il y a les Blancs. J'avais bien dit que nous sommes en guerre, mes gens. Hein, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus d'où les guerres, là, créer les guerres là, comme hein, les guerres mondiales là, autant là. Hein? Le monde a déjà un peu changé, oui, de philosophie. Ils ont dit que non, on va créer une autre guerre mondiale pour toucher uniquement les Africains. Voilà ça. Cette des confessions dit que oui, ça va porter plainte. Elle est française. Une belle. Ouais, l'école est bien. École. Il y a des enfants têtus à la maison, mais à l'école. Hein? Sage. Il y a des enfants têtus à l'école, mais à la maison, sage. Comme personne n'a rien de Dieu. Et regardez son premier ministre. Regardez son premier ministre. Hier, il disait encore que il ne déteste pas mes sangs. Hein? Ils sont toujours en train de dire que oui. Hein? J'ai vu ça hier. C'est d'Isakam. Hein? Elle ouvre la ligne. On veut tuer maman Pépé. Maman Pépé. Non, dites-moi un peu. Parce que hein, vous êtes tellement bête et hypocrite. Bon, maman. Laissons un peu l'hypocrisie là. Hein? Vous dites que. Hein? Bon. Faut que maman Pépé là, la plupart de ces hommes, hein, c'était des personnes qui partaient dans les poches des gens en catholique. Non, mais posons-nous des questions vivantes, des vraies questions, et disons-nous des vraies vérités. Oui, la plupart des hommes que Mangiata a eu à fréquenter, est-ce que ça partait dans les poches des gens en catholique? Hein? Les gens n'ont pas coulé les larmes ici? Hein? Mangiata n'a pas passé le temps à manger la souffrance des gens comme ça. Et vous voulez dire que quoi? Non. Donc, toi, madame, madame, si c'est avocate, non seulement, tu n'es pas intelligente. Et c'est la même chose avec l'histoire de la jouette qui est au Maroc. Avec les histoires qu'ils avaient commencé à, les pétitions et consorts. C'est Boy Chambono qui devait donner tout cet argent-là. Mais nous avons tué ça ici. Parce que Boy Chambono ne savait pas qu'elle-même, c'était pour la contourner, pour dire que oui, l'histoire avec Bilon, Jean Lapé Bilon. Quand vous voyez le profil Jean Lapé Bilon, regardez comment il va grouiller. Je vais vous dire, ce gars, c'est un gros marmailleur. Ok? C'est quelqu'un qui est venu me contacter pour faire des conneries. Ok? Voilà, j'ai connu à Lyon. Il a déjà tout fait. Il est dans toutes les escroqueries. Il dit qu'il travaille avec l'ONU. Il travaille avec les associations du monde entier hein, pour les saisir. Mais Kalga, Jean Lapé Bilon, que vous voyez là. Voilà, qui rôde partout là où il y a les Mangiata. Ok?
les œuvres comme ça, c'est un dangereux. Si vous voulez, je vais arriver là tout de suite. Le gars l'a tout fait. Il s'habille en vert ou jaune. Il avait un truc à Lyon là-bas, il avait toutes les couleurs du Cameroun. Je dis qu'il était dans tout, comme une mascotte. Jean Lapin Bilong là. Ok? Voilà, comme tu es comme ça, je vais te soigner. Tu comprends? Je vais te soigner. Parce que tu vas là où hein, on parle. Hein, tu ne peux pas dire à ces femmes-là, tu es comme Bachot, vous êtes comme les Bachot. Et en même temps, vous graguez les petites filles. Jean Lapin Bilong. Tu comprends? Tu dis qu'on a un OMG et bien comme ça, tu comprends? Tu es un marmailleur. Tu en fais partie des personnes qui graguent les petites filles là-dedans. Sur Facebook. Tu comprends? Voilà. Tu avais collé la poitrine ici. Que oui, tu vas poursuivre mes sang sur l'histoire de la baie sa mère. Avant la pétition, dans la baie Bilong, nous t'attendons toujours. Marmaïa va. C'est terminé. C'est terminé. Venez me dire, la plupart des hommes, les sont Gossa. Les sont Gossa. Nous n'avons pas connu Gossa. Moi, je n'ai pas connu. La plupart des hommes de confesseur, hein, sont toujours allés dans les poches des gens en catholique. Non. Tu comprends? Son association, c'est une association des marmailleurs. Antoine Bachot, il est dedans. Ok? Voilà. Il vient demander à monsieur Messang de changer. Mais ça ne dit rien. Amandiata. Ou qui doit la boucler? Qui devrait la boucler? Oui, oui, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Elle n'a jamais été autonome. Elle n'a jamais été autonome. Et jusque-là, vous voulez lui donner cette chuchote hein, négative là. Non, calmez-vous. Attendez, j'arrive. J'avais framponné l'handicapé. J'avais framponné cette histoire un mois. Un mois. On faisait le chercher le mot qui est vraiment milliardaire. Voilà, beaucoup disaient que c'était Sylvie Tenier. Mais si c'est celle qui est sortie. Encore dans le direct de Mandiata, franchement, allez-vous soigner, allez-vous soigner. On dit souvent que, hein, voilà les gens des femmes de Djoukou, hein, de Djoukou, vous profitez, hein, venez vous montrer, vous allez voir, elle ressemble au caïman, elle a honte, hein, de dire, oh, 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 jeune homme qui vient dans son bureau, car oui, rien, c'est sur WhatsApp parce qu'elle est laide comme la vie de décès. Apparemment, parce que si elle était au moins quelque chose, hein, c'est un peu bizarre. WhatsApp. Et WhatsApp. WhatsApp. Mais Jean. Et Mandiata. Au lieu de la boucler. Tu viens encore mec, te mettre sur un grillage pour qu'on fasse quoi? Arbre de quittage, on reçoit les remembers, abarabé ceci. Non, pour nos complices. Why? Comme tu veux doubler, Ndole Moulema. Hé, Ndole Moulema. Ndole Moulema, tu sais moi, maintenant là, il y a une question, je vais te poser Ndole Moulema. Pourquoi la plupart des temps, quand Mandiata fait allusion à toi, elle n'est pas trop, trop radicale là, mais elle te fait en disant que oui, c'est ton mari, que ça veut famponner, que ça veut toche. Et toi, en retour, tu es toujours en train de dire que oui, Mandiata, ce n'est même pas ton problème, c'est Thierry. Il faut un peu nous expliquer c'est quoi. C'est quoi? Vous vous faites, hein, vous les deux là, vous faites, hein? La jalousie à vos hommes. Hein? Je n'aime pas tuer dans mauvais rêve, hein? Venez tout nous dire. Parce que, Ndole Moulema, tu chatouilles beaucoup. Ouais?
s'il y a que quand on attend que tu vas taper sec, hein, tu viens dire que oui, elle, ce n'est même pas ton problème. C'est Thierry. Hein? En même temps, elle aussi, c'est comme si elle veut te séparer de ton mari. Hein? En même temps, c'est comme si toi aussi, tu veux séparer de... Hein? Venez nous dire, oh, on en a marre de durer dans mauvais rêve avec vos conneries. On veut passer à autre chose. Ok. Mais ça, est-ce que je mens? Mais ça, j'ai sommeil. Chicken, chicken, big up, big up. Voilà, c'est le jour de la magre des magres. Dommage, le réseau n'est pas bon. Pourquoi pas? Vous voyez, c'est pour ça que ça se coupe à chaque temps. Mais souhaitez. Hein? C'est la joie à l'église, c'est la joie. Oh là là, j'aime quand c'est fluide comme ça là, c'est fluide. Allez, allez, vent bruit, prends. Tiap. Et c'est que tu es derrière là pour faire les captures des gangs. Allez, prends, direction. Allez, fiac. Milliardaire, j'ai tout ici. J'ai tout. Voici, regarde. Il y a le bar, il y a les pochettes, il y a les jarrets de porc. Il n'y a pas seulement que ça. Attends, je vais te montrer. Tu vois, regarde ça là. Voilà. Et après, il y a tout. Et après, il y a ça, regarde. Il y a tout. Ouais. Il y a tout. Attends, il te manque encore. Ce n'est pas le Congo, ça. Après, il y a encore ça. C'est tellement beaucoup. Ce n'est pas tout, hein. Ce n'est pas tout. Là, la son, là, yugu. Hé, Anama. Ben, je vais en Normandie. Là, je suis en Yves Cabessé, Rouen, là. Là où il y a les plaies du Mbolé. Les escrocs. Moi, je vous avais dit le planning. Dernièrement, monsieur Messang avait fait, hein, la quête. Les beaux sont donnés, les beaux jambonneaux. Tout le monde a donné les abeilles. Elle nous avait montré quoi? Je vous dis. Si elle reçoit 5 000, elle mange 4 500. Et c'est ça qui est ça. Je vous disais toujours que c'est du folklore. Voilà, voilà l'handicapé, non? Voilà. Mais Jean, vous qui êtes dans ça, si on te donne 5 000, ok? D'aller faire les dons. Tu comprends? Même si tu mangeais 2000 ans, ça va. Si tu es pauvre comme confesseur, tu mangeais 2000, ça va. Tu peux donner 3000. On peut t'accepter ça. Nous, les personnes réfléchies. Ok?
Voilà. Mais quand tu peux donner seulement 500, c'est normal ça là. Hein? Tu arrives au pays, tu es dans les Nganda avec les vieux clous. Hein? Dans les Nganda avec les vieux clous qui te laissent le tot avec les langues déjà anesthésiées du dongdol parce que tu n'as pas moyen ici. Hein? Tu peux vendre les rêves hein, au nouveau pays, les pivots de dongdol avec leur langue déjà anesthésiée avec le dongdol. Ça te laisse le tot. Tu leur donnes les castels. C'est à ce moment-là qu'ils boivent les castels. Hein. Les bières, uniquement pour te lécher le tot. Hein? On te dit, essaie de faire quelque chose. Hein, les gens ne vont pas trop dire que oui, c'est par là que tu manges. Si toi-même, tu étais autonome, tu travaillais, les gens n'allaient pas t'insulter, tu dis que non. C'est un travail. Les autres souffrent. Hein? Voilà ça. Imagine à quelqu'un comme j'ai eu un discours, je ne sais pas si c'est à toi qu'elle s'agressant, qu'elle ne tienne plus avec les gens sans ambition. Ce n'est pas moi qui dis. Appel, les gros discours de ça. Imagine à quelqu'un comme ne tienne plus avec les gens qui n'ont pas d'ambition. Ouais. Mais Jean, regarde la situation, j'ai pas en Normandie. Là, je vais traverser Rouen, je vais vous montrer, non? Ouais, compétent. Fais quelque chose, fais quelque chose. Regarde. Donc, on te donne seulement. Tu as des problèmes avec toutes tes bienfaitrices. Toute personne qui a eu à t'aider. Ouais. Madame la milliardaire. Je ne sais pas là où tu prends ton argent. Ok? Mangia t'a souffle ici avec les PayPal. Mais toi, tu envoies les 1 million tous les jours. Ouais! Pour voir la grosse queue. La queue. Ne touche pas à ma queue. Allô, ma. Et le petit là. Non, mais petit, tu es quand même un wasi. Mangia t'a n'a pas de papa. Hein? Elle a vendu son terrain à Flore. Tu es quand même un wise. Tu as eu à bas les papa. Le ciment. Ouais. La ferraille, les tôles. Ouais. Donc Mangia, c'est vrai quand même ce que Frédéric a dit. Hein? Les gens sans ambition. Toi-même, tu composes la marmaille. Les gens que tu appelles pour venir marmailler avec toi, t'es doux. Ouais. Petit, toi, reste ta chose tranquille. Si on te porte plainte, dis-nous. Nous allons chanter ça, si suffit pour qu'on avait profité de toi. Si tu envoies-nous les preuves. Si tu as aussi son tumbo, hein, Envoie-nous. Ça va les apprendre. Il y en a beaucoup là. Les chamaleux, les voilà. Les milliardaires noirs.
Les terrestres chamaleux, vous voilà, nos gens de la milliardaire là. Vous venez là. Hein? Vous avez bon cœur pour aider les pauvres. Alors que vous voulez profiter de la dignité des pauvres. Ouais. Ouais. Jusqu'à Mandiata. Tu as son petit cœur. Petit, on va faire comment? Nous sommes les mendiants, donc acceptez seulement les conditions. Hein? Il n'y a que toi et moi. Et la milliardaire, voilà ça. Elle n'avait pas marqué que éloquent fait pour aussi être au courant un jour. Ouais. Ouais. Mais Jean-François, il l'a dit. Elle ne vient plus avec les gens sans ambition. Je ne sais pas si ça concerne parce que Manzata, l'handicapé a construit, malgré tout. Mais Manzata alors. Hein? Ouais. Ouais. Mes larmes pleurent. La femme camerounaise. Mais Jean, nous avons déjà dit ici là que il y a beaucoup de femmes. Voilà. Avec des hommes ici en Bégué. L'homme avait peut-être qu'un décès, c'est bon au pays. Et la femme a tout fait pour faire venir les mongols de l'homme. Les mongols arrivent. La femme laisse le mari et ça prend le fils. Voilà ça. Mes gens. Mes gens. Ouais. Ouais. Et l'handicapé. Petit frère, moi je sais que si tu n'avais pas un gros banzizi, hein, ça n'allait pas donner. C'est sûr que toute ta puissance là, c'est le banzizi qui a tout récupéré ça. Parce que la carte des femmes là, elles aiment quand c'est très gros gros, quand c'est très gros gros. Parce que mon petit, quand je vois ta tête là, il y a eu, là, tu vois les cellules adultes là, les mandibules. J'essaie un peu de voir ce qui est en dessous là-bas là. Donc madame la milliardaire, si ça t'envoie les millions tous les deux jours là. Mais mon ami, n'en veux pas au Seigneur de t'avoir rendu comme ça là. Tu comprends ta queue. Mais mon ami, ne t'inquiète pas, tu vas encore trouver une autre. Parce qu'on fait ta pipe. Ouais. Seigneur, mais Jean, vous-même dites-moi un peu, on peut faire ça. C'est une milliardaire qui vient souffler pour vous dire que je vais aider les souffleteurs. On vient profiter de... Je ne sais pas, mon petit, est-ce qu'on ramenait peut-être l'argent que tu recevais là? Est-ce que t'es nude là, on ramenait ça chez les Mekouaïens? Parce que les histoires des Abba avocate, tantôt elle est, si c'est quoi la juridique, si c'est juriste. Mais Jean, j'ai mis l'argent là où. Ouais, Seigneur, c'est combien? Ouais, ok. Mais Jean, n'est-ce pas? Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a bien ici, l'argent-ci? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Même si tu es milliardaire, comment? Hein? Tous les deux jours, tu ne peux pas envoyer ça d'un seul coup et attendre tous les mois. Hein? Ça, mon petit, va à l'indigène. Hein? Va à l'indigène, parce que peut-être que l'argent là, parce que Ducamel nous a expliqué un truc ici là que hein, il avait été conto dans les réseaux sociaux avec son banzizi.
et il nous fait souvent une petite sensibilisation. Parce que, mon petit, moi je te dis, parce que nous, il y a seulement milliardaires, milliardaires, voilà. Elle au moins, elle envoie les millions. Parce que les gros nez, voilà, pas venir pour les milliardaires. Mais nous, on ne voit pas, elle met seulement les 50 étoiles partout, là où il n'y a que les murs. Donc ça veut dire, votre milliardaire là, elle au moins, elle a l'argent. Parce que même Natacha de Monaco, voilà, je n'ai pas les gros, je n'ai pas ça. Bon, mais Jean, je ne sais pas, l'argent que vous prenez, soit la carte d'argent là, mon petit va à l'indigène, hein? Va à l'indigène. Je ne sais pas comment vous fiez souvent sur WhatsApp. Hein? Elle aussi, elle est en fusion avec les qui. Hein? Ça pouvait, ça profitait aussi de. Hey, mon petit. Hein? Ça. Mais calga mes gens. Les réseaux sociaux. Mais calga. Mais calga. Nous voyons ici là. Nous nous sommes souvent habitués aux milliardaires que. Voilà, comme les drones. Les milliardaires qui donnent les 50 étoiles, même pas une tasse de café. Mais la milliardaire de Mandiata, là, elle a quand même, elle envoie l'argent et les gros sous. Hein? Et chaque temps, à la même personne. Pourquoi ne pas envoyer un coup? Hein? Il y a souvent des trucs de magie noire. Ok? Est-ce qu'elle est souvent dans les. Vous appelez souvent ça quoi? Vous avez souvent les gros noms là. Hein? Là où ils font les partout avec les sectenaires là. Hein? Mon petit. Hein? Eh, les gens vont commencer à avoir peur des milliers d'argent qu'on donne là sur Facebook. Hein? Hein? Milliardaire, ou à sauver. Hein? Jevier était, elle n'avait pas, elle avait bien choisi hein, là où on parle des souffrances des gens, alors qu'elle était partie là-bas là comme un serpent bois, chercher une proie. Mais Jean, mon petit, va à l'indigène, va voir madame la marabout, parce que la carte d'argent là, au Calga, tu vas être un jour dans ta maison là. Ça prend feu. Ou calga. Quel est cette milliardaire peintre comme ça là? Hein? On dit qu'elle a fait des conneries avec l'enfant. Hein? Et que Mandiata, avec tout ce qu'on dit de Mandiata, elle même voit que Mandiata ne veut pas aller se débrouiller. Elle est bête. Elle vient comme témoin. Ouais, petit. Mon petit, je t'avais insulté, hein? Waouh! Un mois, quand tu avais commencé à perroquer, mon petit, tu étais souvent là. Quand on finissait d'insulter maman Pépé, tu montais, tu disais, maman Pépé, faut laisser, ne te fais pas de bine. Il n'y a que Dieu. Hein? Le Seigneur n'a pas été peur de t'envoyer parmi nous. Hein? Regarde ce que. Je suis aujourd'hui, ben là, je vous avais pris un mois, que vous êtes des marmaillères. Ouais. Et compresseurs, à chaque fois, on vient t'étaler, au lieu d'abord de parler une minute de silence, tu veux revenir sur le sortir, te justifier. Est-ce que tu es. Attends. Hein? Ouais. La petite écologie, forcément. Je te dis que mes gens, mes calgans, il y a souvent parfois, même quand tu reçois la carte d'argent là, hein, à peu 200 000 euros, à peu 200 000 dollars, à peu d'attente, ce n'est pas petite affaire, mes calgans. Là où le compresseur dit à l'handicapé que non, accepter les conditions. Il y a ben, dans quelles conditions?
Hein? Mais Jean qui ne va pas aimer. Peut-être que le petit avait vu que non, parce qu'il a dit que ça devenait déjà de trop. Hein? Peut-être que le secteur de Kamé déjà à la milliardaire que non. Hein? Le Mbanzizi, voilà de nos que. Hein? Voilà, ça nous excite beaucoup. Hein? Il faut multiplier les ceci. Mais calga, il faut être prudent. Quels sont ces milliardaires? Hein? Est-ce que c'est elle qui devait encore venir s'exprimer là, déjà? Hein? Elle allait un peu aller au noir, hein, pour que l'histoire se calme. Hein? Pourquoi c'est ce Mandiata, la milliardaire, avait choisi? Alors qu'il y a beaucoup là, les Mapansong là, Abanaba ceci, Abanaba cela. Ya, yeah, ya, yeah. Mes gens qui cafoulent, ils calent. À partir d'aujourd'hui, Mikalga est compresseur, Mikalga, oh. Regardez le monde, je vous avais dit, elle était née, voilà, née. Elle a fait l'école à quel âge? On a commencé à tourner ses boyaux à quel âge? Et les qui ont commencé à tourner ses boyaux, hein? Est-ce que c'était des hommes en catholique? Non. Si ce n'était pas les Féman, c'était les coupeurs de coups, les consorts. Mais Jean, ce n'est pas moi qui dis. Hein. Parfois, elle me dit. Et non seulement, c'est la seule blogueuse qui partait bagarre à Paris chaque temps, comme des bonhommes. Ça veut dire, le seul homme que ça n'a pas rendu un toutou, c'est Thierry. Achille Dicolo lui-même était toutou. Ça veut dire, ça disait, ça prenait Achille Dicolo, pas l'oreille, ça disait que, allez, mets le paille, comme si tu partais au Ngondo. Allons, man. Fallait voir Achille Dicolo à Paris. Tandis que, permets-tu, Maléba était là, pac, Achille Dicolo était là avec le paille, hein, avec les babouches en cuir, au pied, les Ferrari. Ici, c'est les Ferrandini, c'est les quoi, là? Mais Jean, au calme, en que temps, Mandiata était là. Mais Jean, la milliardaire n'avait pas, elle avait choisi son bon couloir auquel pour s'implanter et chercher qui pouvait nourrir, voilà, les gens là où l'argent la sort. Mais Jean, c'est moi qui dis, c'est pas vous. Voilà, ce sont mes analyses parce que la qualité ici. Mais Jean, c'est quelle qualité? Le petit dit que non. Au début, oui. Qui va se négliger? Hein? Quelqu'un qui a faim. Hein? Attends, un ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà. Frédéric a dit ça là l'autre jour. Le petit a dit que, mais il avait remarqué que la milliardaire voulait même y a que, hein, il parte au marché. Qui parte au marché? Hein? Bah, comment vous appelez vos cubes là? Comme les doigts de banane là pour enfoncer dans les langues. Mais mon petit a dit que non. Mais Jean, attends, c'est combien? Attends, le pont de Tancaville, c'est 2,80. 1, 2. Attends, il me manque. Mais Jean, comment le petit peut dire chez monsieur me sent que ça venait déjà un peu bizarre? Elle réclamait déjà de clos. Ouais, mon petit, est-ce que les gens là, au début, ils commencent petit, voilà le concombre. Les gens là, mon petit, tu crois quoi? Tu crois qu'il était venu vers toi? Elle était venue vers toi pour rien. Mangia, t'es au courant. Je te mens pas, mon petit. Que oui, tu étais capable de tout. Vous savez ce qu'elle a fait? Son entourage, c'est mon entourage. Les deux Nigériens qui travaillent avec elle. Mais mon ami, vous connaissez les jeux plutôt qui se font dans les appartements à Rouen là-bas là. Il faut laisser parfois vous dire que oui, c'est comme si c'est Thierry qui était là. Non. Hein? Faut laisser les histoires, les cuissons de Monaco, hein, viennent travailler là-bas là. Il dit que mon petit, va à l'indigène, cherche un bon madame la marabout. Tu comprends, non? Celui de Antoine Bachot, renseigne-toi chez Nadège Papa. Va là-bas là. Je ne te mens pas.
Aïe. Le petit dit que... Il ne sait pas comment il appelait Monsieur Messan. Il appelait Monsieur Messan comment hier quand il intervenait. Hein? Bon, on va mettre que oui. Hein? Monsieur propre. Hein? Qui va se négliger? Oui. Je suis venu parce que j'avais faim. Hein? Avant, c'était mère et fils. Mais après, c'est quitter mère et fils. Hein? Voilà. C'est devenu une histoire. Est-ce que tu comprends un peu? Monsieur Messan dit que non, je ne comprends pas très bien. Il dit que c'était devenu une histoire. Hein? Monsieur Messan dit, parle! Il y a Benjina, vomi. Il dit que oui, c'était devenu, voilà, une histoire d'amour. Voilà. Mais, Monsieur Messan, quand on a faim, un vent affamé, hein, n'a point d'oreille, voilà, comme a dit Magina Kenkam, voilà, on était en faisant nos petits jeux tranquilles, ça s'est passé bien, hein, mais quand moi aussi, hein, je suis aussi devenu, voilà, hein, l'esprit là m'avait pénétré, hein, j'avais remarqué que, elle me demandait, il y a des choses bizarres, ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est le petit, elle me demandait, déjà, c'était, il y a devenu bizarre, et, moi, j'avais dit que je suis venu parce que j'ai faim. Oui, on est quitté mère et fils. On est parti même dans les Mougoupang. Mais là où tu m'envoies déjà au marché pendant le concombre et me courber et mettre moi-même dans mon élan et faire les va-et-vient. Ouais, que après le petit dit que monsieur me sent, c'est là où j'avais compris que hein. Petit, va à l'indigène. Va chez Nadej Papa. Petit, je ne te mens pas. Madame la marabout, elle est puissante, elle va te dire les loges, c'est-à-dire, tu vois, comme la base faisait souvent ici, la base, après les boycotts, ils réservaient souvent les QG, le soir, les salles de personnes, avec les gnats de la panthère, voilà, dans des baignoires, avec Jacozi, des jeux plutôt, des mougoupans, ça veut dire, c'est pareil, petit. Là, les histoires que des milliardaires, là, tu vas même peut-être voir que il y avait même des souris, hein, des chiens, des chevaux qui participaient. Mais toi, tu étais là, tu voyais seulement madame la milliardaire. Alors que hein, ceux qui étaient en caméra de Jésus-Christ, ce sont eux qui prenaient ton esprit. Tu comprends? Au calque, la maison là, je ne te manque pas. Tu peux être là comme ça, là, que bac, ça commence à cramer. Mets déjà de là les intestins là-bas, là. Au moins, je suis dans tous les coins. Que moins de flammes. Je te dis, mon petit, j'ai fait ça en humour, hein, mais, hein, au calga. Mais, ma bakouchou, donc, il y a catégorie et catégorie de ngala sur la toile qui cherchent les chocolats. Il y a des milliardaires là, que, merde, yeah. Clone est milliardaire. Hein? Quand elle réagit, c'est 50 centimes, même pas une tasse de café. Mais celle-là, elle donne les millions. Ça veut dire, tu viens aujourd'hui, tu dis que oui. Hein? Mon ventre me fait mal. Ah, adida. Pac. Attends, j'ai pas à Western Union. Adida. Rebala demain, le lendemain. Non, tu viens. Hein, ça va? Ça va déjà? Oui. Le lendemain, pac! Hein, je ne t'ai même pas dit que je me suis marié hier. Hein, et ma femme est partie aujourd'hui. Hein, le reste d'argent que tu m'envoies là, elle est partie avec. Tu vois? Parce que je suis handicapé. Hein, attends. Pac! Western Union. Ya! Yeah. C'est quelle qualité d'argent? C'est quelle qualité? Seigneur, mon petit, les Moukouaïe, Mekaouna, ne croyez pas seulement que c'est là-bas, là, au pays. Les Watsi, c'est les dangereux, au Kalga. Je dis que les loges, je dis que si tu t'étais courbé, si tu as trois poils, ce n'est pas celle qui avait nié ça, mon petit. Va à l'indigène, va voir, et dis-moi, Nadej Papa, why? Jay,
Et qu'on peut ça. Au lieu même de la protéger, tu as même encore le courage pour parler. Hein, pour qu'elle vienne dire que oui, elle était venue pour aider. Avec tout ça là, hein, si l'Angala ne demandait pas, hein, ne voulait pas y demander tout le corps du petit, hein, il allait toujours continuer à dire que, hein, elle restait dans son couloir, que ça fait, non. Hein, et les millions allaient toujours tomber, non. Non, le petit avait constaté que non. La, ah, madame la milliardaire augmentait à la vitesse de croisière. Oh là 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 là. Eh, cimetière, le Seigneur a fait palabre le jour de ton jour. Parce que on croyait que c'était toi, madame la milliardaire. Heureusement que. Ouais. Mais Jean, je suis à presque arrivé. Mais Kalga, Kassi Dikos, big up, mais Jean, la carte d'argent là, dites-moi, il y a des pages là, là sur Facebook, là on aide vraiment les gens. Les gens partent sur place, les mapanes, vieillard soit les mapanes, Abba là-bas c'est ci, Abba là-bas c'est là. Madame la milliardaire ne part pas là-bas. Hein. Moi-même, si de Komamou, ce n'est pas le Congo ça. J'ai les décommis, association légalisée. Hein? Voilà, on ne vient pas nous chercher hein? Parce que on sait que Compressor a toujours été dans des trucs bizarres, bizarres. Il n'y a que elle qui peut cuver les balais pour toi. Et donc, Compressor avait dit au petit, petit, sachant qu'il y a qu'un milliardaire à Nenara, il faut nous laisser ça. Hein, on peut insulter Compressor comme ça là. Hein? Va travailler, va travailler. Elle ne bouge pas. Hein? Elle ne bouge pas. Donc ça veut dire la milliardaire continue à envoyer les sous. Ouais, malgré tout. En que Dame Thierry avait tout ce que voilà. Il ne dit rien. Ça passe seulement par appeler du camel. Franchement, la honte de ça. Et il y a beaucoup de présidents et présidents d'associations qui travaillent, qui sont même dans le SMIC. Ok? Elles sont aussi comme des pommes. Ça veut dire des bienfaiteurs et bienfaitrices qui n'ont pas le temps d'aller vers les malheureux. Ok? On utilise ces gens-là. Ok? Elles aussi. Ok? Ces gens-là. Ces gens-là méritent aussi une paye. C'est comme les bénévoles ici. Ouais, ils n'ont pas peut-être qu'un salaire, mais ils peuvent beaucoup d'avantages. Ok? C'est ce que nous disons. Compression devait se limiter dans ça. Ok? Si elle perçoit 2000, ok? Elle mange 500. Et pas faire pour 1500. C'est comme ça. Voilà. Mais. Il y a toujours critique à chaque fois que Compressor, elle n'a jamais fait. Même les histoires qu'elle était partie en prison, c'était une histoire bien montée, je dis que bien montée. Bachot m'avait dit, ah ouais, qu'il avait beaucoup, beaucoup travaillé dans ça. Et c'est pour ça que vous voyez, il a recommencé. Tandis qu'il demande aux autres d'arrêter de parler de Compressor, lui, il ne dit pas. Il n'a pas de mimbang de dire à Compressor hein, d'arrêter. Non seulement c'est elle la petite sœur. C'est elle, on lui dit, on dit les vérités, la fortune d'Ongo. Comment la fortune d'Ongo peut venir mentir que oui, Bachot était parti parler de M. Mezan chez son mari. Mais Jean, sur la vie de mes enfants, ce n'est pas du mensonge. Ok? Bachot n'aime pas Mezan. Il y a mes camères. Il me l'a dit. Est-ce que vous comprenez un peu que c'est des malhonnêtes? Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne prononce pas mes enfants n'importe comment. Parfois, il faut parfois arrêter vos manipulations. Vous avez la malchance que je ne suis pas quelqu'un qui est au noir, ok? Qui cherche à ancrer dans les vies des gens. Non, non. Je prends pour moi la suffisance pour c'est tout. C'est tout. Et c'est pour ça, jamais il veut bouffer vos qualités d'intangé là.
À part vous allez venir dire que j'ai les dents sales, je suis laid, je suis ceci. Mais je vous ai déjà dit, si vous croyez que c'est par là, ok, déclampez-vous, cherchez autre chose, cherchez à enlever mon sourire, et là vous allez peut-être me gagner. Ok, va bruit pas dans les e-box. Je suis quelqu'un de très discret, très très discret. Ok, même les gens qui me combattent là, qui étaient avec moi, peuvent vous dire. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, et c'est pour ça que ça croit peut-être que c'est que eux ils sont au courant, moi aussi je le suis. Non, non. Non. Vous voyez, passer mon week-end, j'ai passé tout le temps aussi, voilà, hein, à regarder tout le monde. J'étais partout, j'ai partagé ce que je voulais partager, ainsi de suite. Voilà. Je mène ma vie quand je ne suis pas sur la toile, ok? Toi qui ne maîtrises pas ma vie, ok? Boucle-la. Parce que là où toi tu seras bloqué, moi je vais passer. Oh ouais. Je ne nuis à personne. Tout ce que j'ai vomi qui sort de ma barbe, je prends ça là sur la toile. Personne. Sinon, c'est Bacho qui allait déjà me mettre, d'abord me mettre dans les poubelles ici. Avec tout ce que ça m'envoyait. Bien sûr que ça ne me disait pas de frampouner. Sur la vie de mes enfants, à chaque fois il avait un problème avec, surtout Mandiata là. Quand ça avait les poumons avec Mandiata, ça m'envoyait de cette cancan images. Et des trucs bien précis. Mais tu ne voulais pas me salir. Ok? Parce que moi, quand je frappe, c'est pas que je suis dans la haine, que je peux qu'il a bien, il peut faire mal à la personne. Nous sommes des enfants des coups communes. C'est comme ça. Ah. Djanki na djanki. Quand tu bouges ton djanki, on se fout bien de ta bouche. C'est comme ça. Voilà. Le Ndjangui, c'est, il n'y a que le bouffeur de Ndjangui qui peut faire en sorte que son Ndjangui puisse durer. Normalement, un bon Ndjangui, c'est 24 heures. Si tu sais gérer, si tu n'es pas un pleureur, tu comprends, ça va s'arrêter. Mais si tu veux venir te justifier, mais mon ami, ça va continuer. Mes gens, posez-vous des questions. Ok? Même quand j'étais sur Fleur de Lille, je n'avais jamais dit avancer des propos comme j'avance à Mandiata. Ok? Voilà. Ça, c'est une vérité. Ce n'est même pas que le Kumbusa. Je disais des trucs, mais jamais. Mais, le petit là, je les ai framponnés. Propre. Il dit propre, Mandiata. Ok? Je les avais framponnés. J'avais dit, c'est une bande de malfaiteurs, d'escrocs. Mandiata, l'histoire. Ok? Les Bozaïens au Maroc, ils ont mangé l'argent. Merde. Mais Jean, c'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Celui qui est au Maroc. Regardez. Chaque année, il a eu à passer un master. Ok? Sponsorisé par la diaspora. Je suis venu sur la toile. Hein? Je suis arrivé. Il était en Kenda Boye qu'il était né ici en France. Toujours la même Fortune Dongo m'a sorti son dossier avec les dessous ici. Celui-là, il m'en dit tout, même les dessous déjà utilisés. On envoie dans les gros enveloppes. Celui de la Bessamé. Quelqu'un qui était né noir comme un fusil. Regardez, il a des lèvres roses bonbons. Regardez sa couleur. Ça veut dire, il a menti lui-même, il a menti son élan. Ouais, son élan. Quelqu'un qui est maladif, qui est malade chaque temps. Les narines coulent comme un mouton, H24. Ouais, un escroc de première classe. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est lui qui vient dire, même les remember que vous êtes en train de faire écouter là, vous vous salissez vous-même. Ok? Ça veut dire, quand vous continuez à démontrer que vous êtes des mendiants, ok? Les gens ne vous feront plus confiance. C'est vous. Quand vous venez dire que oui, vous êtes la qualité de personne que oui, on vous baille pour faire des conneries. Vous venez là. Yugo. Voilà. Moi, nos venimeux, Adjogo, big up. Moi, nos venimeux, j'en ai parlé. Qu'est-ce que j'ai pas dit ici? Que, ne voyez pas, je vous ai parlé ici maintes fois. Quand elle avait mis la perfusion là. Oui, elle avait fait tout un programme ici là en planning. Hein? Le Ndjamba là, c'était à l'Est. Le jour de l'Est, elle était où? C'est pas couché sur son pauvre canapé à deux places à combat autant, à 15 000. Hein?
hein, un canapé, hein, qu'on baillait les années 87 à 15 000. Hein, là où les abords, c'est deux places, c'est pas trois places ni quatre places, deux places. Ok? Ça veut dire, même Jack, hein, ne peut pas suffire sur le canapé là. Hein? Si vous comprenez un peu, ne peut pas suffire sur le canapé là. Elle était là, perfusion. Aucun liquide, rien, rien. Vous avez vu comment j'avais pris cette histoire ici là? J'ai framponné Mandiata, le feu était sorti. J'avais framponné Mandiata, elle avait senti derrière sa nuque. Ouais, cette histoire là, elle finit de récolter les suicides. Et après, elle a son Joe là, vous connaissez les Joe qui sont au pays là. Voilà, parce que comme elle n'a pas la chance, est-ce que Thierry peut lécher Mandiata? Non, Thierry ne peut pas lécher Mandiata. Et tu comprends? Et c'est comme ça donc alors quand ils vont en vacances, les buveurs de Dontol, voilà, avec leur langue anesthésie, avec la puissance hein, de l'alcool, hein, et pas te se faire lécher là-bas là. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que compression, c'est, je vous avais dit, à ne lécher, lécher. Ok? Voilà. Regardez même compression. Ok? Quand elle porte une chemise, regardez compression. Parfois, quand elle danse, elle a les mains comme les bonhommes. Même sa façon de plier les manches. Moi, j'avais tout parlé. J'avais touché le petit là. Hein? Grave. J'avais traité le petit là jusqu'à dire aux gens même de se méfier les handicapés. Heureusement, il y a toujours exception. Mais le petit avait été abusé. Même comme lui-même, il n'était pas venu sur Facebook. Il était venu avec le mensonge. Farah. Et comme après, il avait fait sa vidéo que oui. Hein, qu'il avait fait ça là parce que. Hein, il est orphelin, il a faim, consort. Et donc, Compesso avait donc alors dit que bon, voilà, une proie pour la milliardaire. Je ne sais pas. Parce que là, mon petit, je ne te demande pas. Si tu t'étais courbé, la façon que tu as dit là que oui, hein, la demande là, parce que ces gens-là, hein, pour te flatter, ça commence petit, ça te demande des petites choses. Hein, hein, les petits, c'est un peu Aoko. Oui, là, vous va. Et après, hein, au fil à mesure, ça t'envoie, dès que ça te pénètre, hein, ça va t'envoyer bail le concombre. Mais mon ami, mon petit, va appeler Nadège Bapa. Nadège Bapa te donne le numéro de Madame la Barabou. Elle voit clair. Voilà un qui est déjà par là sur la toile. Il dit qu'il ne gère pas les détails. Tellement il les gère. Il est gère. Hein? Il dit qu'il n'aime pas la fortune d'Ongo. Ah, on ne te dit pas que la fortune d'Ongo dit c'est aujourd'hui. Ouais. Vous ne vous parlez plus. Pas, ne viens pas manipuler les gens. On va dire que oui. Hein? Ce sont les choses qui s'étaient passées. Voilà. Quand toi et moi nous sommes entrés en guerre. Nous sommes. Oui. Ne viens pas manipuler les gens, tu dis que, hein, arrête un peu souvent de venir là. Je t'ai dit, j'étais descendu l'autre jour parce que non seulement tu es bête bacho, ton école là, Destiny là, big up. Le petit lui-même avait Binda Ngoussa. Je t'ai dit que, hein, je ne vous manque pas. Jean Zobo, big up, attendez. Vous ne connaissez même pas. Il dit que le petit là est abusé. Il dit que c'est un gars là abuse des personnes faibles comme ça. Même Ngoussa. Vous croyez quoi? Hein? Vous croyez quoi? Vous n'avez pas eu Ngoussa la dernière fois dit que oui. Même si c'est comment, elle se caresse une tante. Hein? Vous croyez quoi? Ngoussa. Il dit que le petit là. Hein? Comment un milliardaire comme ça là? Et go directement dans ça là comme ça là. Yé Benjina mes gens. Avoir ce courage là. Hein? Vous voulez pas là dire que c'est le petit là. C'est le petit là qui avait eu le courage de draguer la milliardaire. Non.
No. Mandiata, attends. Hein? C'est quand même au 17e, au 18e qu'elle se faisait tourner les boyaux. Ok? Donc, elle maîtrise hors les plans. Elle sait très bien qu'il y a des vieux peaux là. Ok? Sur la toile. Qui cherchaient les pareils plans. Mais, la carte des milliardaires là. 1 million tous les jours. Mes gens, moi, je vous dis, soyons nous-mêmes. OK? Suivez le regard de Dekoma Mougou. Faut pas compliquer sa vie. OK? Mais faites tout et pour tout pour qu'on ne vienne pas arracher votre dignité. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. N'acceptez pas. Je dis que même si tu es mendiant, on passe le temps à dire à mendiant ta cœur. Si au moins tu te lèves, ne serait-ce que pour aller nettoyer le sol, hein, tu n'allais pas être insulté comme ça là. Hein? On n'allait pas coco critiquer tes sorties. Voilà. Ou alors tes pépas les consorts. Hein? Moi, je ne vous manque pas. J'ai horreur quand on dit. OK? Voilà. On fait les dons. OK? Et tu reçois. J'avais toujours parlé des associations ici quand je suis ancré sur Facebook. Que. Mettez-vous un peu à la place des bienfaiteurs et bienfaitrices. OK? Ça veut dire, vous tenez des discours. OK? Vous avez en face. OK? Vous êtes face aux personnes, aux enfants, handicapés, orphelins et tout. Et ces personnes à bon cœur. OK? Qui se lèvent, qui s'ouvrent pour avoir de l'argent. OK? On donne cet argent-là. Hein, pour que ces handicapés et autres puissent avoir hein, ce qu'ils en ont besoin. Mais vous mangez tout ça. Vous savez, quand ces bienfaiteurs-là sont au courant que vous n'avez pas fait, OK? Vous n'avez pas fait. Mais allez un peu ancrer dans les cévennes. Ça veut dire, à cause de vous, ils ont échoué leur mission. OK? Et ce n'est pas bon. Ça veut dire que quand. Qui prend l'argent, tu dis oui, hein, venez, il y a les habitants de Tu Havre qui ont besoin, hein, d'un fourrage. On cotise, on te donne, va faire le fourrage. Tu n'es pas fait le fourrage. Mets-toi à la place des gens qui ont donné l'argent pour que les habitants du Havre puissent avoir le fourrage. C'est pour ça le karma. Mais calga. Et on ne vous demande même pas de pas manger. Ce que vous faites, c'est un travail. Oui, Mandiata, ce que tu fais, c'est un travail. Oui, c'est un travail. OK? Mais tu as décidé de travailler comme bénévole. Tu comprends, non? Voilà. Fais comme ça d'ici. Si on t'envoyait 2000, prends 500. Hein? Vu que les gens vont continuer à t'envoyer. Et tu vas vivre comme ça si tu as décidé de vivre avec la petite, les tchang-tchang. Hein? C'est un travail que tu fais. C'est moi qui te dis. Ouais, parce que tu t'essaies de bon, tu n'as rien. Et ceux qui en ont, qui n'ont pas le temps de faire tout cela, hein, passe par toi pour que les handicapés, les orphelins, mais toi, tes discours, c'est à revoir. Tu as un premier ministre hein, qui est allé à l'école. Tes discours, les enfants de Maman Pépé, ce qui sort de la bouche de Maman Pépé est à revoir. Ouais. Maman Pépé qui est dans les histoires des familles des gens.
Maman Pépé qui est dans les histoires des enfants des gens. Maman Pépé qui est dans les tontes des autres femmes. Maman Pépé qui est dans tout, qui est dans tout. Alors qu'elle-même. J'avais pointé du doigt, hein, moi, quand je parle mes choses. Les Bassa, maintenant alors, il faut donc, moi je dis donc alors, Mangzata a été pour quelque chose. Même si j'avais pointé les quatre Bassa, Mangzata, parce que quand Mangzata était avec ce couple-là, nous tous, nous avons vu. Ok? Voilà. Donc, c'est Mangzata, hein, qui était. Parce que pour elle, comme elle dit que oui, venez soutenir. Ça va, le père? Les beaux gars, bon gars là. Ouais. Ça va, toi? Ça va? T'as la forme? Je suis en train de parler, je suis en train de parler avec la famille. Ah. Voilà, dit les pères, je suis arrivé ici. C'est ça, c'est bien ça. Voilà. Masala. Ça va? Oui, ça va bien. Voilà, on va faire un direct quand il va faire beau. D'accord. Quand il va faire beau. D'accord, d'accord. Hein? Attendez, vous allez lire l'heure ici. C'est là où vous allez connaître qui est de Komamougou. Vous allez connaître qui est de Komamougou, ici. Tous ces vieux l'attendaient quand il va faire beau. La majorité de leurs enfants, j'ai enlevé, hein, des lits. Hein, ils sont parents. Regarde-moi, malheureux. Hein, ils sont responsables aujourd'hui. Vous allez voir. Savez lui, j'ai fait donc alors mon premier direct. Voilà. Qu'on publie sur Facebook. Avec le daron. Voilà. Voilà de comment Mouri est arrivé. La mère est partie où? Ah non, mais la mère maintenant là, aujourd'hui elle prend la noix, demain elle prend hein, la Bordeaux. Entre temps, on l'insulte sur Facebook. Hein? Liliane Pamanzi, big up, big up, big up. L'église est en joie. L'église est en joie. Hein, mes gens? Moi, je vous dis, le réseau a bloqué, vous savez, moi, j'étais sur l'autoroute. Il est quelle heure? 20h57. Voilà. Je sens que je ne travaille pas. Hein. Voilà. Demain. Je sens que je veux reframponner. Je veux reframponner. Voilà. Une veillée. Mais Jean, tout ce qui a été dit chez Monsieur Messang hier, ce sont mes remembers. Aïe. Le petit là, il avait lu l'heure avec moi ici. Un mois. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Un mois. Compresseur est né. Ok? Voilà sa vie. Voilà ça. Même quand elle parvient à voir une personne de bien, ça se termine toujours comme ça en queue de poisson. Parce qu'elle a toujours les arrière-pensées. Soutirer. Soutirer. Elle a vécu avec les quais. Belin, belin, big up, big up. Regardez un peu le palmarès de Mangzata. Elle était quittée à Bordeaux. On avait dit, ne pars pas à Paris. C'est pas ton niveau. Tu ne sais ni lire ni écrire. Hein? Hein? Elle est partie. Mais, pour arriver ici à Rouen, elle était venue en catholique. Hein? Son palmarès, on a passé le temps à tourner ses boyaux 17e et 18e et manger ses ailes de poulet. Voilà. L'argent même des camions même.
C'est toujours les mêmes malfaiteurs là qui prennent ça. Abe Feynman, soit disant que ça pas framponner les mougou. Hein? Et vous croyez quoi? Vous croyez que l'histoire, si vous voulez la blanchir, ne venez pas dire que oui, c'est grâce à elle. Hein? J'aurais voulu, il y a que, hein? Oui, c'est à cause de elle que, oui, l'handicapé, je ne sais pas si c'est escroqué, je ne sais pas. 200 000 dollars. 200 000 dollars. Yeah! Qu'on peut sortir, attends, si on écrit 200 000 dollars, oui, il faut y aimer l'ang. Non, il faut arrêter ça. On te demande de faire des bonnes sorties, tandis que les autres sont en train de se détacher avec des bonnes sorties, des petits discours. Voilà. Imaginez qu'un camp qui dit que oui, ça ne marche plus avec des gens sans ambition. Je ne sais pas si c'est toi, à toi, ça pointe du doigt, je ne sais pas. Ou bien qu'il faut ambition. Au moins l'handicap à la maison. Ouais. Oui, oui. Il n'a pas tout mangé. Hein. Georges de Kowa, big up, big up, big up. Lui, il ne mangeait pas malgré qu'il avait faim. Il achetait le ciment, les parpaings. Mais pour toi, ça partait où? Vous êtes l'andolé moulema et toi. Hein? Vous êtes en train de faire le chercher le mou. Toi là-bas là. C'est le mari de Ndole Moulema que tu pointais du doigt. De l'autre côté, Ndole Moulema. Hein? Mandiata, ce n'est même pas Mandiata, c'est Thierry. Qu'est-ce qu'il y a? Les deux là, vous voulez séparer, vous voulez vous séparer des chocolats? Ou hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut nous dire, parce que vos histoires que vous faites là, hein? Vous prenez la visibilité là sur la toile, vous allumez. On croit peut-être que oui, vous allez nous dire un truc qui va nous épater, rien, les mêmes conneries. Arrêtez ça. Ah, les histoires de plaintes, abanabasisi, abanabasela. Wow. Et je vois la saleté qui est là-bas en Italie. Elle ouvre aussi le direct, elle dit qu'elle met l'antenne. Elle n'est pas d'accord du direct de Monsieur Messang. Elle aussi, elle lance à le kacham. Franchement, Isaac a dit aux gens que oui, hein, elle n'est plus dans ces choses-là. Maintenant, n'importe qui, faux cop, elle framponne. Elle a pris Nivakine, Barbara, prendre si c'est qui là, insulter les tiens là. Je ne sais pas si celle-là va. Hein, celle-là, elle va s'en sortir. Insulter all les tiens, Isaacam. La magie. Hmm? Donc vous-même, vous avez donc alors vu ce qui se passe là sur la toile. Et c'est vrai, il y a les mamies là. Je comprends pourquoi Van Bruy, son comportement. On va beau parler. Il y en aura toujours les gars. Comme ça là. C'est comme ça les baleines. Fuck. Ouais. Une femme qui a boit 6 heures de temps, toute seule. Ça veut dire toute seule. Elle ose poser la question si ce sont les fantômes qui sont connectés. La même chose là-bas, là. Hein? Chez son vent bruit, les mêmes questions. Est-ce que ce sont les fantômes qui sont connectés? Non. C'est l'Europe qui fait le blog. Alors que vous voulez vous faire voir ici chez nous, Yakouya n'a pas le temps. Et vous, ce n'est pas, vous faites ça exprès, vous savez très bien, vous ne pouvez pas venir vous exprimer quand nous sommes là. On va vous donner vos vrais noms. Bande de ronfleurs. Et ceux qui coupent le micro, hein, ceux qui coupent le micro,
hein, qui reviennent après une heure de temps, hein, des personnes faibles, vulnérables, hein, qui cherchent des panels là où on va les, ça dit, hein, le mougou, un mougou, hier, yeah, hein, hier, yeah, politique, politique, le Cameroun politique, 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 tu vas parler politique. Oui, quoi politique? Oui, quoi politique? Tu vas lire là. Tu as commencé à donner le fromage aux gens que oui. Hein? Tu es Tinda de Mandiata. Tinda. Ouais, ouais. Laisse les politiques là. C'est là où tu vas comprendre que le maréchal Yang Akwaba, dès que monsieur me sent entrer en direct, boum, tu coupes le direct. Après, vous venez dire que oui, hein, vous avez vu en coupure, tantôt c'est que quoi, j'étais dans le direct, tantôt c'est que quoi, non, hein, j'ai vu une coupure, arrêtez ça, vous, nous tous nous étions là-bas, oha. Défao, 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 hein, défao, défao, tu caricatures tous les jours, wo, 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 quand on déteste quelqu'un, on ne part pas là-bas, là. Ok, dès que ça a lancé le direct, bam, tu coupes le direct. Et tu as l'habitude de dire ça. Dès que tu as lancé le direct, hein, dis-moi, j'arrête. Minable. Minable. La honte de ça. Christian de Monaco est où? Ils sont où? Les vieux pots là sont où? Bah, bah. Avec ses poches aux yeux, hein, tomate facile, il faut voir le nez comme le goupillon de dinde. Benehé. 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 Hein? Benehé, ça va venir nous le trouver ici. Tout ce que vous faites au noir, yébi, c'est quoi, mouna? Oha. Kiki Chanel, big up, big up, big up. Ça va venir nous prouver ici. Mercedes et Bonga, big up, big up. Hein? Ça va venir nous prouver. Je me la coupe douce. Ici, j'ai au moins, je ne sais pas combien de sortes de nourriture. J'ai des brochettes. Voilà, j'ai un gros bar. J'ai des jarrets de porc. J'ai des côtes de porc. Voilà, j'ai le riz. Hein, j'ai le tchèp, j'ai tout, tout. Au calme. Au calme. Donc, Mandiata va un peu te cacher. Ok? Au fur et à mesure que tu sors, que ce soit ton neveu au Maroc, ok, vous vous salissez vous-même. Ok, parce que vous avez vraiment prouvé à toute la toile que vous êtes la catégorie des mendiants qu'on ne peut pas faire confiance. Et vous êtes, tu as dit, et vous êtes, tu as dit, il y a mendiants et mendiants. Vous n'avez pas le bon état d'esprit des vrais mendiants. Les vrais mendiants ne sont pas orgueilleux. Ok, sont respectueux et calmes et réfléchis. Ok, il dit des personnes réfléchies, les vrais mendiants. Mais vous, c'est vous qui n'avez rien et c'est vous qui parlez fort. C'est vous qui dites que oui, vous ne vous mélangez pas. Alors que vous vous mélangez, non seulement quelqu'un qui est au RSA, automatiquement se mélange. Quand tu vas faire la queue à un restaurant du cœur, ça c'est un mélange. Ok? Les berbères milliardaires, les milliardaires qui viennent là, hein, pour venir calculer les langues des enfants, hein. C'est comme ça, et ça se table par tous là-bas, là, dans leur loge, hein. Comment le petit peut dire que non, au fur et à mesure, hein, l'engavoulé a demandé autre chose. Ça allait être quoi? L'esprit, hein.
mes gens, le Saint, il dit que, hein, attends, le type, hein, non, il faut arrêter ça. Mandia Tate a dit, là où tu ne peux pas, c'est parce que tu es automatique, tu as été automatiquement déclaré comme mendiante. Ça veut dire, tu as décidé que oui, toi-même, tu ne peux pas aller chercher. Toi, on te donne seulement. Ça, c'est un handicap. Ça voulait dire quoi? Tu recevras toujours des insultes. Oui, le jour où tu vas t'élever, que tu goûtes aussi, puis chercher, tu vas voir. Tu verras. Beaucoup ne vont plus, même quand tu fais tes PayPal, là, beaucoup ne vont même plus clou se prononcer. C'est ça. Parlons idée, big up, big up. Si, si. Hein? Parlons idée, tu crois quoi? Si elle travaillait au moins, elle n'allait pas recevoir beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes. Hein? Quel est ce milliardaire là, hein, qui vient aider? Ça commande maman, fils et maman. Fils et maman. Maintenant, ça devient, hein, chéri coco. Hein, chéri coco. Hein, et le petit dit que oui, à un moment, la maman a commencé à augmenter la vitesse de croisière. Hein, je ne sais pas. Le petit, il faut venir tout nous dire. Voilà. Donc, mes gens, je vais rentrer. Voilà. Ici, il y a les jarrets. Attendez, je vous montre parce que moi, je ne parle pas avec de l'eau. Il y a tout. Il y a les jambounous. Vous voyez les chevilles d'Amiri là. Les chevilles d'Amiri là. Voici ça ici. Les jambounous. Voici ça. Attendez, je vous montre. Vous voyez comment c'est, non? Vous voyez comment c'est. Ça, c'est les chevilles d'Amiri. Celles qui vendent les guttas jambounous là. Voici ça. Vous voyez, non? Voilà. Et après, ici, j'ai du poisson. Hein? Toujours le porc. J'adore le porc. Hein? Toujours. Toujours. Quand je prends la route comme ça, là, je marche. Ici. Il y a les brochettes. Il y a les brochettes. Il y a le... Ouais. Il y a le poisson. Il y a le poisson. Il y a... Vous voyez, toujours. Toujours. Il y a tout. Tout. J'étais où? Hein? Manga bevé. Hein, mes gens? Tu vois les petits malheureux. Les petits malheureux. Hein? Comme les Antoine Baya. Hein? Babso, big up, big up, big up. Après. Hild, écoute, big up, big up, big up. Merci. Non, j'ai grignoté. Je me suis arrêté dans une station, j'ai grignoté. Voilà. Là, il faut maintenant que. Hein? J'ai transporté tout ça. Il y a tout, hein. Attendez, vous montre. Ce n'est pas le Congo, ça. Ici. Vous voyez, ici. Il y en a. Ici. Il y en a. Ok? Partout. Bizibino. Et là, derrière, il y a les bâtons de manioc. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Tout. Belin, belin. Donc, mes gens, voilà, on va voir. De toutes les façons, moi, ma reprise, c'est le 29. Demain matin, je vais dans l'entreprise, remettre un document. Et après, je viens rester à la maison, bien gratter les mimbangs. J'ai pas dormi. Hein. Heureusement que hein, l'autoroute était fluide.
Antoine Bachou. Voilà. Donc, mes gens, à tout à l'heure. Merci. C'est comme j'ai dit, voilà. Le jour, hein, de la magie des magies, Sylvie Tenier. Voilà, vous qui allez arriver après là. Voilà, un petit mot pour la magie des magies, Sylvie Tenier, c'est son jour. Je sais beaucoup ont déjà manifesté là-bas là, sur la page. Voilà, c'est son jour. Ok? Même si j'ai fait la vie, je veux toujours parler de son jour. Donc, un big up à tout le monde. Voilà. Et à tout à l'heure.